Anna Montana. Genre j'ai payé deux fois plus cher pour ces cols que pour celle-là. C'est au final la même chose, mais là je viens de parler de l'écologie et j'ai quelque chose qui vient de chez Shein. Je vais pas vous cacher, je suis un rat. Titre, enfin le sujet de la vidéo, pas de la vidéo, du cours. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le haul back to school, tout ce que j'ai acheté à la chasse. Donc déjà, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et je voulais vraiment, mais vraiment vous remercier parce qu'au moment où je filme cette vidéo, je l'ai postée hier. Et il y a tellement de nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup. On a atteint les 50 abonnés. Donc maintenant, on vise les 60. Peut-être quand je poste cette vidéo, on les a déjà. Ce serait trop bien. Et j'ai eu tellement de gentils commentaires. Vraiment, je sens qu'au futur, si je vais encore continuer, mais normalement oui, on aura une communauté incroyable parce que déjà là je suis tellement contente, j'ai eu tellement de gentils commentaires, là je vais vous les lire certains d'entre eux. Et 39 likes vraiment, parce que pour moi les vues c'est le moins important, ce qui me plaît le plus justement c'est les commentaires, les likes. Par exemple, coucou je viens de découvrir ta chaîne, je trouve ça trop bien, c'est divertissant, continue comme ça, gros cœur sur toi, vraiment merci beaucoup à cette personne. Sinon j'ai aussi eu d'autres commentaires, justement que quelqu'un a découvert ma chaîne, qu'il aime bien. Il y a aussi une personne qui m'a donné une idée de vidéo qui est vape le jour de la rentrée et moi je la ferai cette vidéo, pas encore maintenant parce que c'est un peu tôt et j'ai envie vraiment de filmer ma vraie vape le jour de la rentrée. Et comme je suis à l'école à la maison, je peux le faire à tout moment quand je veux commencer mon année scolaire. Donc je pense que je le ferai en août, mais je sais pas tout à fait quand, mais en tout cas je la ferai, ne vous inquiétez pas. Et du coup en même temps je voulais rappeler que si vous avez des idées de vidéos n'importe back to school ou pas, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires parce que comme ça je vois vraiment ce que vous aimeriez voir, etc. Et maintenant sans plus tarder on commence la vidéo, mais d'abord intro. Ok, alors comme vous voyez je me suis habillée un peu élégante, tout ça comme si j'étais vraiment à l'école. J'ai déplacé ma table vraiment parce que ici j'ai mis une table et j'ai posé toutes les affaires, on dirait que je suis à l'école. Donc j'ai enlevé ce serre-tête parce que je me sens trop élégante. Je viens de me lever parce que du coup je fais mes vidéos le matin. En dessous j'ai mon short de pyjama, donc vraiment juste là tout va bien, mais en dessous je suis en chaussette, short de pyjama, bref. Ok, par quoi commencer? Il n'y aura pas d'ordre en fait, donc je vais commencer par l'école. Moi j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc je vais pas trop vous parler, mais celle-là elle vient de chez Accent, il y avait encore les couleurs orange et vert. Et celle-là elle vient de chez Teddy, donc le magasin. En fait je vous ai tout filmé à l'achat, donc si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir. Même si ici je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, bah c'est toujours cool de voir beaucoup de fournitures scolaires dans le magasin. Et en fait je sais pas comment vous dire, mais j'ai payé extrêmement cher. Genre j'ai payé deux fois plus cher pour ces cols que pour celle-là. C'est au final la même chose, mais en fait c'est des cols comme vous voyez roses avec des paillettes et ça me rappelle tellement de souvenirs parce que à l'école en Belgique en primaire, et bah on avait des cols roses comme ça, pas paillettes mais des roses, et je me suis dit non je dois absolument les avoir parce que je ne les ai plus vus dans d'autres magasins. Je me suis dit vas-y je dois absolument les acheter. Ok, ensuite chez Action j'ai pris ces gommes, je vous les avais déjà montrées et elles sont vraiment trop mignonnes, couleur pastel comme ça, j'adore. Ok, ensuite j'ai pris des pochettes comme ça. Et j'aime bien ces pochettes parce qu'elles sont... Attendez, je vais essayer d'accélérer. Parce qu'elles sont toutes lisses comme ça. Je sais pas si vous comprenez. Et ensuite quelque chose que moi... En fait je vais pas vous cacher, je suis un rat. Donc je voulais pas dépenser 6€ pour ces stabilos. Donc j'ai dit à ma soeur... Johanna, en fait cette année tu m'as rien acheté pour mon anniversaire. Donc si tu veux que moi je t'achète quelque chose pour ton anniversaire cette année, et bah tu dois me les acheter. Enfin, tu peux. Et elle a dit oui parce que du coup elle aimerait bien avoir un cadeau pour son anniversaire de ma part. Donc ça c'est, on va dire, elle me l'a donné pour mon anniversaire mais en retard. Et du coup ça c'est les nouvelles couleurs, donc je suis trop contente et je pense qu'on peut les tester directement. Ok, donc je vous montre. Voilà, franchement j'adore ces couleurs. Il y a aussi une autre, il y a encore d'autres 4 couleurs nouvelles. Mais là-bas il y avait un gris et tout, donc celle-là je les préfère je pense. Et on va les tester, j'ai besoin d'une feuille, attendez. Déjà le rose, attendez, je vais comparer avec l'autre rose pastel pour voir vraiment la différence. Ah ouais, il y a une différence. Mais pas tellement, tu vois, c'est pas archi fort. Ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. J'ai très hâte de voir ce bleu parce qu'il est trop beau, vraiment bleu ciel, baby blue, tout ce que tu veux. Ah, il est beau. Je trouvais vraiment qu'il manquait une couleur comme ça dans les pastels. Ça c'est le nouveau bleu, ça c'est l'ancien. Et l'ancien il est plus fort, mais ça c'est...
pense que ça va être vraiment des couleurs très délicates. Maintenant le orange, ça c'est l'ancien orange, ça c'est le nouveau, il est trop bien. Et maintenant le vert, vraiment lui ça fait très citron vert tout ça, et c'est mon préféré, il est incroyable. C'est vraiment du entre du jaune et du vert, parce que oh, il est trop bien. Les amis, j'adore. Regardez, ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Lui, il fait un peu bleu turquoise. Et celui-là, ça fait vraiment vert. C'est mon préféré. Ok, on passe à la suite. Encore quelque chose qui vient de chez Action, c'est des marqueurs comme ça, des feutres. Et en fait, moi, je les avais déjà il y a un ou deux ans. Sauf que je les ai utilisés et je les ai utilisés pour en fait faire les... Dans... C'était pour le cours de biologie que je faisais ça. Et en fait, je faisais le titre, hein, le sujet de la vidéo... Pas de la vidéo, du cours, en noir comme ça, et je repassais autour avec une couleur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, je vous les conseille vraiment. Et aussi, ils sont écologiques un peu parce qu'ils ont changé d'emballage. Avant, c'était dans du plastique, maintenant, c'est dans du carton. Donc ça, on adore. Ensuite, quelque chose de... Là, je viens de parler de l'écologie et j'ai quelque chose qui vient de chez Shane. Juste pour vous dire, je commande pas de vêtements là-bas. Ma soeur un peu, moi j'avais juste un maillot de bain de là-bas et franchement il est bien. Rien à voir avec Back to School, mais Shane pour moi, à la fois c'est un magasin comme les autres, mais ce qui est le plus dérangeant envers l'écologie je trouve, c'est que là-bas comme c'est moins cher, un peu moins cher, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même chers, mais il y a des trucs qui sont moins chers, bah, en fait les gens font des grandes commandes à 200€. Et en fait c'est ça le problème, c'est pas, je trouve, le problème de commander là-bas. Si tu commandes vraiment ce que t'as besoin, alors ok, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter dans un autre magasin. Bref, et donc c'est un petit livret comme ça, et normalement c'est pour mettre des photos, c'est un mini album photo. Mais moi en fait j'avais un truc comme ça pour mes cartes, pour mes trucs comme ça, mes papiers, des trucs un peu que je devais avoir près de moi. Et du coup ça s'est abîmé, donc ma maman m'en a commandé un comme ça. Et s'il y a vraiment beaucoup de pochettes, je pensais pas qu'il y en aura tellement. Donc voilà, ça me sert à ça parce que l'autre je l'ai abîmé. Ensuite on va passer, ça c'est Auchan, c'est la seule chose que j'ai acheté là-bas, c'est tout simplement des crayons, des HB, voilà, je les adore, ils sont trop bien. Ensuite, des frictions, pas un paquet, pas deux, pas trois, mais quatre, du coup j'ai pris, j'ai deux paquets comme ça, parce qu'en plus ils sont effaçables, ils étaient pas chers, je sais pas pourquoi. Et deux paquets comme ça, j'adore les couleurs. Et en fait, il y a une fois que je les ai achetés normalement, et la deuxième fois que j'étais à la chasse justement, bah, ils étaient en promo de la semaine. Donc quand vous voyez ces vidéos, ils sont encore en promo de la semaine, donc n'hésitez pas à les voir. Et je pense qu'on va les tester parce qu'au final je sais pas comment ils écrivent. Donc en soi c'est un peu bête que j'ai acheté les deux paquets si je sais pas comment ils écrivent. On va d'abord tester ceux-là. La gomme elle est ici en haut. Ah, ils écrivent normalement, il n'y a pas de différence vraiment. Donc c'est trop bien, donc vraiment là je les conseille, parce qu'avant je les conseillais mais finalement je les avais pas testés, mais là je sais. Et on va voir comment ils gomment. Non, ça va comme un friction normal. Je vous montre un peu comme ça. Wow, ils sont très bien. Je vais tester encore ceux-là. Voilà, les couleurs elles sont normales et je vous mets le prix juste ici. Et je pense qu'ils sont moins chers du coup que si t'achètes les autres Big Pilot. Ok, on va passer, attendez parce que là je suis perdue, juste pour vous montrer. Voilà le bazar sur ma table. De la pâte à fixe dans la dernière chasse aux... Enfin, dans la chasse aux fournitures, ma soeur a dit vas-y achète parce que moi j'aime bien jouer avec. D'accord. Mais moi je pensais plutôt pour attacher des trucs, des photos, je sais pas du tout quoi, mais j'en ai jamais eu et je me dis ça peut toujours servir. Ensuite, ah oui, je vais vous montrer des choses rien à voir avec la chasse, mais quand même je dois vous les montrer. Déjà, pour ceux qui ont vu la chasse justement, vraiment, si vous n'avez pas vu, allez la voir parce qu'il y a plein de trucs qui se sont passés. J'ai presque pleuré quand j'ai vu les décos d'automne, parce que l'automne c'est vraiment ma saison préférée. En fait j'aime un peu chaque saison parce que chaque saison a ses trucs bien, mais l'automne j'adore, j'adore la pluie, l'orage, les feuilles, tout ce que la majorité des gens détestent. Donc n'hésitez pas à me dire votre saison préférée dans les commentaires. Et ici c'est une petite décoration comme ça, vraiment j'aime trop, et je me dis je vais l'acheter maintenant parce qu'en fait les décorations de saison chez Action elles sont tôt, mais après quand on approche de la saison en fait il n'y en a plus. Quand on est plus proche d'Halloween, bah en fait il n'y a plus les décos d'Halloween chez Action ou de l'automne, mais plutôt des décos de Noël. Je me suis dit je vais acheter maintenant, au moins c'est fait. Et aussi là, je sais que j'ai abusé, mais en fait, chez Teddy, il y avait déjà les rayons d'automne et de Noël. Je pense qu'ils sont là-bas toute l'année. Et en fait, j'ai acheté ça parce que déjà, c'était en promo, 3 zlotés, c'est moins d'1€, donc c'est trop bien. Et c'est des autocollants comme ça pour le calendrier de l'Avent, donc
Je sais pas si ça sera pour un calendrier pour moi, pour ma soeur, pour ma maman, je sais pas. Mais en tout cas, je les ai. Donc voilà, rien à voir avec Back to School. Mais c'est pas grave. Maintenant, on passe au cahier. Donc moi, j'allais pas acheter de cahier parce que je vous montre juste... Après, je vous les montrer plus en détail, mais j'ai déjà beaucoup de cahiers. Mais j'en ai quand même acheté parce que je pouvais pas m'empêcher. Déjà un avec des animaux marins, surtout les phoques. Vraiment, c'est mes animaux préférés. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, depuis que j'ai 3 mois que je suis née, ma mamie m'a acheté ce phoque, Doudou. Et en fait, c'est plutôt une fille, je dirais. Et je l'ai avec moi de justement toute ma vie, tous les voyages. Donc voilà. Et aussi, il y a 2 ans, ce phoque-là. Et cette année, à la mer, ce phoque-là, elle, c'est vraiment ma préférée parce que je l'ai depuis toujours. Bref. Ensuite, les chats. Tout simplement, on a un chat. On avait un chat. J'ai une peluche chat que mes voisins m'ont donné il y a 1 an pour mon anniversaire. Donc déjà, c'était trop sympa. Et voilà, tout simplement, moi, j'adore les chats. Team chat ou chien, dites-le moi. Moi plutôt chat, mais en fait j'ai jamais eu de chien donc. Et maintenant, encore des chats on peut dire. Tom et Jerry chez Empik. Donc ce magasin il est que en Pologne je pense. Il y avait des cahiers comme ça donc j'ai pas pu résister. Vraiment ils sont trop bien, regardez à l'intérieur. Aussi comme ça. Et le deuxième comme ça, celui-là il a 32 pages. Donc il est assez fin mais voilà. Ça c'est les cahiers que j'ai achetés et encore il y a 1 an. J'en ai acheté encore après en fait la saison back to school. On va dire que c'était vers fin de septembre où il y a tout qui était en promo. Donc je me suis dit vas-y je vais les acheter parce qu'ils étaient trop beaux. Donc déjà un comme ça. Et ces deux là en fait ils sentent vraiment. Ici c'est écrit, attendez, sur celui-là. Memories of Summer. Donc mon accent, oula. Et en fait tu frottes et ça sent vraiment l'été. Donc si quelqu'un genre va rentrer à l'école, n'hésitez pas à avoir un cahier comme ça parce que ça va être l'hiver par exemple, vous allez sentir votre cahier et ça sent vraiment l'été. Ça sent des fruits et tout. Il y en a encore un deuxième comme ça. Celui pour l'histoire, vraiment j'adore. Biologie, un comme ça. Et je ne pensais pas que ça va encore exister. Hannah Montana. Moi en fait je vivais dans l'époque où Hannah Montana, il y avait encore à la télé mais c'était ancien. Attendez, je dois vous le montrer. Moi je garde tout, moi je vais jamais me débarrasser de ce genre de choses. Regardez, un mini classeur comme ça. Et en fait, ma maman m'achetait des trucs comme ça, de Monster, des posters comme ça. Et j'avais aussi des posters Hannah Montana. Je vivais dans l'époque où c'était encore à la télé et tout, mais c'était plus le truc le plus nouveau. Moi c'était plutôt justement Monster High, par la suite Soluna, Chica Vampiro aussi, mais un peu Violetta aussi, mais très très peu. Et puis les rêves d'étoiles, tout ça, mon époque les amis. Bref, on est back to school ou c'est comment? Donc voilà, Hannah Montana, je sais même pas si je vais l'utiliser parce que j'ai pas envie. Je vais l'avoir juste comme ça. Ensuite ça c'est pour la religion, mais moi j'ai pas religion. Chimie, anglais et avec des chevaux comme ça. Et aussi j'ai des cahiers que j'ai aussi acheté l'année dernière. Des A4, moi déjà je préfère les A4 mais j'ai plus de A5. Et en fait celui-là je l'utilisais pour la géographie. Mais du coup je l'ai presque pas utilisé, il me reste tout ça comme page donc je vais l'utiliser. Celui-là je l'ai même pas utilisé je pense. Ouais, ici j'avais commencé la biologie mais finalement je le faisais pas dedans. Donc un comme ça. Un comme ça, là pareil je faisais l'anglais mais il me reste plein de pages. Et un comme ça que j'ai même pas commencé. Attendez, là je regarde si je vous ai tout montré parce que c'est n'importe quoi. Il y a des doudous sur ma table, il y a des cahiers, il y a des décos. Je pense que je vous ai tout montré, mais j'ai encore envie de tester cette colle, voir comment elle fait parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer. Regardez, c'est trop mignon. Je sais, il y a des gens qui vont se moquer de moi, que moi je dis qu'une colle est trop mignonne, mais vraiment, je vais prendre un bout et voir comment c'est. Non, les amis. Regardez comment c'est fluo. Attendez. Regardez comment c'est fluo, comment c'est rose. Il y a plein de paillettes. Dans la caméra, ça se voit pas tellement. Mais dans la vraie vie, c'est plus un peu la couleur est un peu plus intense. Mais non, je vais pleurer, les amis. J'ai envie de pleurer dans la vidéo, en fait. Attendez, on va voir sur la feuille. Parce que ici, tout va bien, mais si c'est pas comme ça sur la feuille... Bon, c'est pas très intense, en fait. Mais si, en fait, c'est bien. Waouh! Regardez-moi ça. Non mais j'adore, en plus le rose c'est
Je pense ma couleur préférée. Et on va encore tester celle-là tant qu'on est. Et vraiment, en tout cas pour la qualité, est-ce que ça colle bien? Je suis sûre que oui, parce que les prix, vraiment, elles sont incroyables. Ouh, elle est encore mieux ici. Enfin, pour le mauve, la couleur, elle est vraiment plus intense que le rose. Oh, le bleu, il est trop beau. Voilà le mauve, le bleu. J'adore. Et vas-y, on va tout ouvrir en fait. Moi, vraiment, en termes des fournitures scolaires, tout ça, j'adore. Vraiment, les trucs trop mignons. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Et j'ai l'impression que je vous montre tous les trucs que j'ai dans ma chambre, en fait. Non, c'est trop, les amis, c'est trop. Et pour mon agenda, j'ai finalement pris celui-là, celui qu'on avait caché dans le magasin pour que personne ne nous l'achète. Parce que peut-être certains n'ont pas compris pourquoi on l'a fait. Ben, en fait, j'avais peur que quelqu'un l'achète et c'était le seul avec ce motif, en tout cas. Et regardez ce que j'ai fait. En fait, je voulais avoir vraiment des feuilles blanches sans motif parce que j'ai envie de le personnaliser moi-même. Et donc, bon, je vous montre un peu vite fait, mais je pense que tout le monde s'en fout un peu. Mais ici, pour le mois d'août, j'ai déjà un peu décoré comme ça. Je sais pas si c'est bien, mais ça va. J'adore ici et j'adore le fait qu'il est souple. Comme ça, je peux le plier, par exemple, comme ça. Ici, comme je vous ai dit, ça me dérangeait un peu qu'il y a juste des cases comme ça. Mais je me suis dit, derrière, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de pages pour faire des notes, donc c'est pas grave. Et celui-là, il n'est pas juste pour cette année scolaire. Mais il est pour 17 mois, donc à partir de août 2023 jusqu'à décembre 2024. Donc c'est non seulement le calendrier 2023-2024, le calendrier scolaire, mais c'est vraiment pour toute l'année 2024 aussi. Donc c'est pour un an et demi, donc c'est trop bien. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci à tous ceux qui sont arrivés, les nouveaux à la chaîne, tous ceux qui ont liké, commenté. Vraiment, ça me ferait très plaisir et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos. Et puis, bisous, bye bye.